Béni disait, ce n'est pas une décision qu'on prend, c'est une décision qui se prend en nous. D'un coup, ça s'impose, on doit aller en Eretz Israël. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et une Alia Story aujourd'hui tout à fait particulière, il s'agit de celle de Léo Lévy. Léo Lévy qui était la femme de Béni Lévy. Alors Béni Lévy, vous en avez sûrement entendu parler comme le secrétaire de Jean-Paul Sartre notamment. Voilà, il a été aussi le chef de la gauche prolétarienne. Et on est vraiment très touchés d'accueillir Béni Lévy parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de curiosité autour de l'Alia, de ce couple. Autour, bien sûr, aussi de ce retour à l'être juif, comme Béni Lévy le disait. Alors, d'abord, bienvenue et bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vraiment. Depuis quand vous êtes en Israël ? Depuis 1995. Alors, est-ce que vous avez pris cette décision ensemble ? Est-ce que c'était une décision facile à prendre ? Ou est-ce que vous êtes venu sur un coup de tête ? Je vais vous répondre sur plusieurs niveaux. D'abord, Béni disait, c'est pas une décision qu'on prend, c'est une décision qui se prend en nous. C'est-à-dire très que joli. Tout d'un coup, ça s'impose, on doit aller en Eretz Israël. Il avait l'habitude de dire ça. Maintenant, du point de vue plus, disons, anecdotique, au tout début, quand on a commencé à se tourner vers les mitzvot, on habitait à ce moment-là dans la banlieue parisienne, on était en contact avec un jeune couple d'Épinay, et j'avais à Langzo un professeur de yiddish, Dvora Kosman, qui, elle, partait, retournait à Jérusalem, et j'ai soumis la chose à Béni, je lui dis Donc c'est venu de vous en fait. Au démarrage, c'est parti à ce moment-là. Enfin, mais on était encore dans la région parisienne. Et non, il m'a dit c'est trop tôt. Bon, il se ressentait pas. Et après, c'est-à-dire que vous avez eu un signal avant lui en fait. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc vous, parce que vous avez eu deux chemins, bien sûr, vous êtes deux personnalités différentes, donc deux chemins différents. Lui, il s'est attaché, on va dire, à Israël à travers les textes de la Torah. Et vous, c'était apparemment à travers le yiddish, c'est ça ? Moi, c'était plus à travers le yiddish, oui. J'allais aussi à certains séminaires avec Béni de Jean Zaklad, mais disons que lui, c'était des textes de Lévinas, et moi, effectivement, ça a été d'abord par le yiddish. J'ai eu envie de retrouver le yiddish. Alors, le yiddish, vos racines, vous aviez envie de retourner à vos parents, vous aviez envie d'en savoir oui, plus. C'était le rapport à ma mère essentiellement, et mon père qui avait été déporté. Bon, c'était un peu, disons, plutôt ce chemin-là. Alors, ce chemin-là. Donc, 95, voilà. Il vous dit, bof, j'ai pas tellement envie, je le sens pas. En 95, c'est la date de la montée. Pardon. Ça, c'était... Un petit peu avant. Ça, je veux dire, en 80, les années 80... Ah oui. Oui, 80, 81. Donc, ça a mis à peu près 15 ans pour mûrir. Parce que, entre-temps, on a eu la rencontre avec le Rav Abitbol de Strasbourg. Il avait eu vent des entretiens, du scandale qu'avaient causé les entretiens entre Sartre et Béni Lévy à l'époque. Oui, on dit secrétaire, c'était pas tout à fait, il s'occupait pas de ses rendez-vous et de son courrier. Non, bien sûr. C'était un dialogue, c'était un travail à deux de réflexion et de pensée. Et donc, le Rav Abitbol avait entendu parler de ce scandale, ça l'avait intrigué, surtout que Simone de Beauvoir accusait Béni de vouloir convertir Sartre, ce qui était complètement faux. Enfin bon, c'était à travers le prisme de sa jalousie. Enfin bref, on va pas trop en parler, c'est pas très intéressant. Donc il est venu nous voir dans la banlieue où on habitait à l'époque. Et ça a été, disons, après Jean Zaklad, ça a été Jean Zaklad qui donnait des cours de Kabbale, qui avait un petit groupe comme ça. Et le Rav Abitbol, c'était un Rosh Yeshiva. C'était déjà un autre type de rapport au texte, de rapport au monde de la Torah.
Et on est allé à partir de là quelques fois à Strasbourg. Le Rav Abibol est venu donner des séminaires aussi au groupe d'anciens copains, on va dire, pour aller vite, qui était resté autour de Bini. On est donc d'abord, notre première alia, entre guillemets, c'est Strasbourg. Donc vous avez déménagé. On est allé en 84. C'est ça, vous avez déménagé à Strasbourg pour être plus proche de ce Rav qui a ouvert un monde, en fait, un monde nouveau à Béni-Lévi. Voilà, ça a été, et c'est là que Béni a fait ses premiers pas dans l'étude de la Guémara. Il admirait beaucoup la patience de l'enseignant qui enseignait aux débutants. Et voilà. Alors, comment vous avez vécu ça, vous, de quitter Paris, d'aller vers une autre vie, Strasbourg, puis ensuite Israël? Comment, en tant que femme, en tant qu'épouse, vous avez vécu ce cheminement? Les premiers pas, j'en parle un peu dans le livre que vous écoutiez tout à l'heure. Les premiers pas dans le monde des Mitzvot, on l'a fait à peu près ensemble. Disons que chaque fois qu'on avançait un peu, disons que la mise en pratique, c'était moi... séparer les vaisselles, c'est venu de moi. Ne plus manger de choses taref, c'est venu de moi. Enfin, etc., etc. Ne plus manger de pain à Pessah, c'est venu de moi. Il y avait comme ça. Et par contre, bon, à la table de Shabbat, c'était évidemment... Ils lisaient en anglais à l'époque. Il y avait une traduction des Midrashim en anglais. Donc, on commentait... Enfin, c'était Béni qui nous commentait la paracha de la semaine à partir de ces Midrashim traduits en anglais. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis, bon, Strasbourg, je veux dire, ça, on avait un sentiment proche. On appréciait la vie à Strasbourg. C'était facile. Il n'y avait pas de divergence là-dessus. On allait d'un même sentiment. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, il faut bien le dire, décidé de sauter le pas? Parce qu'après tout, il paraît que la vie juive à Strasbourg est très agréable et très facile. On est dans un cocon. Oui. C'est ce qu'on dit. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes dit, ça suffit? Il avait commencé à étudier avec un, on va dire un bachour, parce qu'il était marié, il avait déjà des enfants, disons, avec un jeune. Qui avait, lui, eu l'expérience de l'étude à Nebrak, si je ne me trompe pas. Okay. Et qui était revenu à Strasbourg pour quelques années. Et donc là, il avait rencontré un limoud... Différent. Différent, le limoud tel qu'on le pratique dans les yeshivot et dans les kolélim en Israël. Il a senti qu'à Strasbourg, il était arrivé au bout d'un chemin. Il était très reconnaissant, évidemment, au maître qu'il a eu et à ce qu'il avait reçu, mais il sentait le besoin d'avancer, de rencontrer d'autres formes de limoud. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés pourquoi Béni Lévi n'avait pas été attiré aussi par le monde des yeshivot sionistes, et pourquoi il était rentré de plein pied dans le monde des yeshivot orthodoxes? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une volonté? Non, c'est pas un hasard, c'est que... C'est voulu, c'est... Je pense. À la yeshiva des étudiants, il y avait déjà de toute façon une pensée qui n'était, disons, asioniste. Et ce qui l'intéressait, c'était vraiment le limoud. C'était pas une question à l'époque. Ses racines, c'était dans le texte. Ok, alors, voilà. Vous voyez, vous trouvez embarqué dans cette aventure. Donc, vous étiez vous étiez partante absolument. Vous avez poussé même. Quand on me posait la question, j'avais l'habitude de répondre, moi, le grand saut, c'était entre Paris et Strasbourg. Après ça, il n'y avait pas de rupture, c'était une continuité. Une continuité. Alors, voilà. On dit souvent que pour les couples, l'alia, c'est pas toujours facile, parce que malgré tout, même si pour vous c'était une continuité Strasbourg-Jérusalem, il y a des pertes de repères, des choses qu'on ne connaît pas. Malgré tout, même si on arrive dans un pays étranger. Oui. Alors, est-ce que pour vous, ça a eu une répercussion sur votre couple? Est-ce que. Ou pas du tout? Ou ça dépend. Non, sur le couple, non. Là, il faudrait faire parler mes filles, qui
Elles en ont parlé récemment. Et ça, on s'en est pas rendu compte, ça, au début. Elles ont un choc culturel. Oui, Bon, mon fils s'était marié. Mon fils aîné, on a attendu qu'il se marie pour partir. Mais la deuxième, qui avait 15 ans quand on est parti, ça a été difficile pour elle. C'est pour elle que ça a été le plus difficile. C'était trop tard. 2 ans avant, elle n'arrêtait pas de nous dire, allez, quand est-ce qu'on s'en va, mais à 15 ans, ça a été pourquoi. Difficile. Là, ça a été. Elle était dans un séminaire très israélien. Et elle voulait passer son bac. Donc, enfin, bon, il y avait comme ça des choses qui étaient. Enfin, son bac français. Pour elle, ça a été difficile. Et pour les deux plus jeunes, ça a été relativement. Ça a été plus facile. Relativement plus facile. Mm-hmm. Ok. Voilà. Alors, est-ce que vivre dans un pays entouré en majorité de juifs, est-ce que ça a changé quelque chose en vous, tout simplement, en vous? Ah ben, c'est sûr. Bah évidemment, c'est sûr. Dès qu'on est arrivé, c'était dans un appartement provisoire. On est arrivé à Baïvegan. On s'est senti ce que Béni a dit. Enfin, on est chez nous. Mais encore une fois, c'était Jérusalem, pour lui, la pierre de Jérusalem. Il n'aurait pas dit la même chose à Tel Aviv, par exemple. Pourquoi ? À Tel Aviv, c'est un autre monde, quoique il y a des choses qui changent en ce moment. Enfin, bon, c'est un autre monde, c'est sûr, mais... Ouais. Parce que je sais qu'il a parlé aussi de l'identité israélienne. C'est rigolo, parce que du coup, on fait une Aliyah Story à deux voix, comme s'il était avec nous, mais bon. Ouais. Il a parlé de l'identité israélienne. Il devait être peut-être choqué, dérangé par ça. Il comprenait ou pas les gens qui étaient juifs, pas du tout religieux, pas du tout observant des traditions. Il comprenait, mais ce qu'il dérangeait, c'est que cette identité israélienne pouvait tenir lieu d'être juif. Et ça, il ne pensait pas que ça puisse tenir très longtemps. Très longtemps, entendons-nous, hein, sur des dizaines d'années. Alors, est-ce que vous, justement, parce que ce n'est pas facile quand même quand on ne grandit pas, quand on n'est pas né dans la tradition, on va dire, dans le respect des halakhot, est-ce que vous avez, pour tenir une maison juive, entre guillemets, est-ce que vous avez dû, vous aussi, étudier, vous remettre à la page? Comment vous avez vécu Bien ça sûr, il y a eu des cours, ça c'est... D'abord, le jeune couple d'Épinay a été nos premiers... Il a été nos premiers enseignants sur la chose. Ensuite, arrivé ici, il y a eu Strasbourg entre-temps. Oui, oui. Et à l'arrivée en Israël, donc ça du point de vue rythme juif, on était au point. Ça, c'était, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de gros problèmes. Disons que le travail de préparation s'était fait, donc encore une fois avec ce jeune couple d'Épinay, pendant un certain temps, et puis surtout à Strasbourg, et voilà. Qu'est-ce qui a été... On était très, très entourés. Et... Voilà, vous aviez encore des liens avec vos amis du passé. Vous avez gardé quand même certaines attaches, ou pas? Jusqu'à Strasbourg. À Strasbourg, il y avait encore un passage, ce qu'on appelait les anciens copains. Mais Israël, ça a été une vraie coupure. Je me souviens qu'on avait fait pour la bar mitzvah de mon deuxième fils, on avait invité des gens qui étaient des ex militants qui étaient restés proches. Et certains nous a répondu tant que Israël occuperait les territoires, je ne viendrai pas. Voilà. Donc, comment réagit à ça? Déjà, alors que ça n'avait rien à voir avec la bar mitzvah, bien sûr. Bien sûr. Comment il avait réagi à ça? Mais déjà, on a eu ce mélange-là, déjà, enfin, ça, c'était déjà plus entre politique et disons, simplement universitaire, avec toute l'histoire de l'école doctorale. Est-ce que vous vous intéressiez à la politique israélienne quand vous étiez là, ou vous n'étiez pas du tout... Un peu, mais pas... De toute façon, pour suivre la politique israélienne, il faut déjà arriver à lire les journaux, écouter la radio et tout ça. Et j'avoue que même maintenant, quand on...
J'ai fait une semaine d'Ulpan en arrivant et j'ai pas pu faire plus parce que, bon, impossible du point de vue du temps, etc., de faire plus. Et il y avait un journal qui s'appelait Char Matril. Exact, qui existe toujours. Qui existe toujours, ouais. Voilà. Et il y avait un article de, je sais pas, 15 lignes. J'ai dû mettre un quart d'heure, 20 minutes pour le lire. Et j'en ai rien tiré. Enfin, je veux dire, il m'a pas intéressé du tout. Alors, je me suis dit que c'était... Vous êtes découragée, vous avez laissé tomber. Je me suis découragée. J'ai préféré, bon, le temps que j'avais de me plonger dans les textes de Kodesh, quoi. Ouais. Parce que ça, c'était déjà... Enfin, c'était pas encore acquis complètement. Et ça ne l'est toujours pas complètement, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des moments qui vous restent en tête, des moments qui ont été importants, que vous avez vécu au cours de cette alia? Bon, ça fait déjà maintenant longtemps que vous êtes en Israël. Est-ce qu'il y a des moments avec Benny aussi que vous avez passé et qui vous tiennent chaud aujourd'hui? Bah, déjà l'arrivée, ça a été... Bon, Benny n'était pas un inconnu. Il y avait des gens qui avaient des liens avec Strasbourg, qui habitaient avec Vegan. D'ailleurs, pour ça qu'on avait surtout cherché à habiter là-bas. On nous a accueillis avec des gâteaux, des fleurs. Enfin bon, c'était beau. Et la scolarité des enfants, on imagine que c'est tellement différent de la France. Donc oui. Ça aussi, j'imagine qu'il y a dû avoir des moments assez touchants. Oui. Touchant, je sais pas. Enfin, il y a eu des moments difficiles pour la scolarité. Ah oui, bon, ça c'est sûr. Pour la scolarité, oui. Ça c'était, encore une fois, bon, pour la grande, on a fait l'erreur de la mettre dans un... c'était le séminaire Le Hadash, qui est un séminaire qui s'adresse à l'élite des familles, des yeshivot, enfin, qui était le super séminaire. Et puis, bon, elle a eu beaucoup de mal à s'adapter. Ah oui, beaucoup de mal. Et puis... L'année d'après, ça n'était pas possible. On a rétrogradé, enfin rétrogradé. C'est-à-dire, on a changé de style, changer de d'option, ouais, oui, de, oui, ouais. Oui, oui. Où c'était plus adapté à des gens qui venaient d'Europe. Mmh. Comment c'était juste pour conclure, parce que malheureusement, on peut pas rester éternellement ensemble, mais c'est vrai, mais éternité, oui. Mais comment c'était chez vous enfin, je sais que vous aviez beaucoup j'imagine, de visites, de discussions. Est-ce que les discussions étaient animées? Est-ce qu'on parlait toujours de Torah? Est-ce que vous parliez aussi de philosophie? Est-ce que des gens venaient vous voir? Ah oui, oui, il y avait énormément de passages. Je me souviens de Soukhot, par exemple, de certains Soukhot où je venais à peine de débarrasser la table, parce que le principe de Bini, c'est qu'on n'accumule pas plusieurs familles, il faut donner de l'attention à chacun, donc on invitait les familles les unes après les autres. Et donc, à peine je venais de débarrasser la table, il fallait remettre le couvert pour les invités du repas suivant. Donc, parce que les discussions duraient longtemps, et voilà. Ça, mais en général, Shabbat, on recevait avec des moments assez comiques, d'ailleurs, des moments assez comiques. On a reçu une fois une jeune juive de Polytechnique qui faisait partie de l'association des amitiés judéo-chrétiennes de Polytechnique. Et mes filles se sont mises à faire des plaisanteries sur Jésus. C'était la devinette, la blague, quel est l'homme le plus distingué du monde? Et la réponse était Jésus, parce qu'il est tiré à quatre épingles. Tête de notre invité. Et enfin, voilà quoi. Et il y en a eu d'autres où, qui venaient une fois et puis qui ne revenaient plus parce que les remarques, disons, ou les réflexions ou les discussions les avaient un peu trop bousculées. Mais en général, c'était très, très vivant, très... Voilà, ça, très intéressant, j'imagine. Oui, 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 c'était des repas toujours animés. Est-ce que vous pensez que vous avez vécu dans l'ombre de Benny Lévy, ou c'est pas du tout comme ça que vous diriez ça? Non, c'est pas du tout comme ça que je vis, non. Pas du tout. Vous avez quoi été... que ça puisse faire illusion, une ancienne de la GP qui avait été avec nous à Aubonne quand on faisait la communauté qui a duré 2 ans, je crois, dans mon souvenir. Et après la petite rade de Béni, j'étais venue pour le
pour un événement à Rachi, pour le 11e mois, je pense. Et elle était venue me voir et elle me dit mais tu reviens pas à Paris maintenant que Béni n'est plus là, tu ne reviens pas à Paris. Je l'ai regardée stupéfaite. C'était voilà, c'est donc cette illusion que j'étais dans l'ombre, etc. C'est une illusion parfois, mais bon. Une illusion trompeuse. Trompeuse, voilà. Voilà, trompeuse, tout à fait, puisque vous êtes pour beaucoup, j'imagine, dans tout ce qu'il a accompli, ici ou ailleurs, comme souvent. Oui. Derrière les grands hommes se cache souvent une femme. Oui, ouais, ben, ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Disons que, si, pour sa réflexion, j'y étais, enfin, c'est dans la pensée du retour, enfin, j'y étais. Pas de manière active, mais disons qu'il a beaucoup réfléchi sur sa première rencontre avec ma mère, qu'il lui a dit en me désignant que c'est grâce à elle que nous sommes là. Et elle faisait allusion au fait que la famille, en partie, seulement en partie, avait été libérée du Veldiv, avait été relâchée du Veldiv parce qu'elle était à ce moment-là enceinte de moi. Voilà, et ça, il a... Ça lui a donné à réfléchir. Et vous êtes, j'imagine, centrale dans ce livre qui sort ces jours-ci, qui est sorti d'ailleurs, qui vient de sortir. Alors, on en profite pour redonner un petit coup d'éclairage sur le livre. Mais c'est vrai, La pensée du retour après Rosenzweig et Lévinas. Voilà, en tout cas, on était ravis de vous entendre. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. De nous avoir parlé. On vous souhaite plein de bonnes choses. Amen, amen à vous et à tous ceux qui nous écoutent. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.